La route et tout, j'en ai pas. Bonjour. On est d'accord. Je l'ai écrit ça. Ouais. Ici, je vais vous faire descendre ici. Vous allez tout là-bas. Oh, ok. Sur l'autre trottoir là qui longe le quai. Mm-hmm. Vous allez tout là-bas, vous allez avoir un arrêt du 43. Merci. Et il arrive dans 5 minutes. Elle a compris ou pas cette fois-ci? Bah là, je peux plus rien faire pour elle. Là, elle est sortie de mon bus. Je vais carrément à l'opposé. Moi, j'espère juste qu'elle a compris qu'il faut aller de l'autre côté de la rue. C'est juste ça le principal. C'est qu'elle est compris d'aller de l'autre côté de la rue. Ah, et quand elle a continué comme ça un peu le moment. Écoute, elle arrivera à la bruit plus. Pourquoi on parle avec les mains? Parce que. C'est pour que les. Ah non, c'est moi qui l'ai fait. C'est pour que les non-voyants comprennent ce qu'on se dit. Les non-voyants. Non, les. Les malentendants, voilà. Ah, je cherchais le mot, je me sentais mal. Mais je sais que j'avais pas compris dès le début, mais moi je pensais que je leur comme ça, c'était pour les. Je me disais, après je me disais, mais attends, c'est pas ça. Mais attends, il peut pas avoir nos signes. Ouais. Ceux qui entendent mal, voilà. Comme ça, ils voient un peu. Ouais, mais ceux qui sont malvoyants ou non-voyants tout court, ils vont entendre notre voix. Sauf s'ils ont le combo. Ah oui. Là c'est chaud quoi, quand je peux rien faire. Mais du coup ils peuvent comprendre des choses des fois qui sont pas. Qui sortent de leur contexte. Oh là là, on va se calmer là sur les choses hors contexte. Je sais pas, c'est un petit différent de. Attends, elle est grosse là. Avec la petite musique. Tu dis oh elle est énorme. Tu fais pour la tenir en main. Alors tu parles de. Je sais pas, d'une banane. La banane. Le volant. Putain, il est énorme le volant. Il y a un gros truc comme il est tout blanc. Ah. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de.
mais après ils vont croire autre chose, hein. Ils n'ont pas envie d'être responsable de ça. Bah, tu veux pas être affilié à ce mec. Non, comment on veut dire. Je ne sais pas parler. Ouais, comme ça. Non, c'est pas comme de reproche qu'on porte plein contre moi. Bah oui, parce que ouais, Enzo, c'est un gros père. C'est qui Enzo? Je comprends pas. Et après, ils vont dire Thomas aussi. Pas du tout. Qui Thomas? Bonjour. 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 C'est qui Thomas? C'est pas moi. On va pas couper par. Ouais. Tu veux pas te faire dégommer par Madame C? Madame C.
Là, ça lui va bien, Madame C, ça ferait autoritaire. Madame... Tu diras, Madame C. Ouais, franchement, Madame C, je dirais, mais forcément, Monsieur K, il a dû le dire. Ah, je pense. Et il m'a croisé. Monsieur F. Ah, monsieur F, j'ai compris S. Ah non, F, comme. J'allais dire une bêtise encore. Ouais, mais t'as dit son prénom. Ouais, mais lui, c'est pas grave, il m'en fout. Ouais, lui, il est connecté sur tous les réseaux. Ouais, il prend tous les risques d'ailleurs. Hein. Allez, allez, allez me faire une réclamation. Hein. C'est les essuie-glaces, j'ai vu ces essuie-glaces, ça a ouvert les trappes. Mais c'est vrai en plus, hein. Le but tellement d'être fermé, ça a ouvert les trappes. Ah ouais, nettes. Non, mais c'est vraiment pour. Ça va refermer, non. Oh la flemme. Il y a un coup d'air là d'un coup. Pas un coup d'air, ça se dit pas un coup tout le temps. Ah, il y en a qui prennent des coups d'air, des coups de bif. Et sinon, il va bien, monsieur N. Enfin, ça dépend. Il va bien, monsieur Petit. Ah, celui qui est avec monsieur T? Non, monsieur T. Non. Non. Bah, monsieur M Petit. Il est conducteur. Monsieur M? Non, monsieur Petit. C'est qui? Oh là, tu fais pas d'effort. Ah non, bah, il est 7h56. C'est petit quelque chose. C'est petit quelque chose. Vite? Non, non. Ah, merde, je vais pas petit faire mon effort. Petit J, si tu préfères. Petit J. Petit Zen. Ah oui, je l'avais oublié. En vrai, on peut parler de lui, il est sur les réseaux lui aussi. Je suis un gros 8. Pourtant, j'ai respecté les 1600 vitesses, hein, je roulais à 50. Et c'est fait exprès pour les bouchons. Tu vois, le gros 8, il va prout. Il va s'envoler. Et là, on fait un timelapse de cette partie-là. On rajoute une musique. On rajoute la musique. Après, là-bas, on repart normalement. Ça fera une vidéo et un timelapse. Double vidéo, on peut dire. Non, une. Monsieur Petit J. Il y a petit G. Car en 3 voitures 6 j'écoute. C'est la première fois qu'on m'appelle pour ça. Il faudra que couper ça au montage. Je peux pas aller. Laisse au moins le son des PC, ça va être le tour. Il y a le son des PC. Monsieur le conducteur se fait engueuler. 43-1-1-1, j'écoute. Ah, c'était bien imité. Mmh. Ok, bien reçu, terminé. Alors, quand t'es en avance, il t'appelle, hein, mais quand t'es en retard, il peut. Parce que j'ai un beau monsieur charmant à côté.
côté avec. Après, ça me double même en vélo. Mais les roues des vélos, comme ça, là, elles sont toutes fines. Je me dis, mais comment il arrive à tenir dessus? Sur un film toute fine comme ça, alors. À tout moment, tu fais une nouvelle manœuvre. Et boum. Et sous le bus. Tu tombes. Mais comment ils te frôlent? Ils sont pas peur. Hein. Ils sont peur de rien, c'est des fous du guidon. C'est les quoi? C'est les fous du guidon. Comme un cap d'action là. C'est les fous du guidon qui prennent tous les risques. Après, tu rajoutes la voix de Nils. Comme dans les autres vidéos là. Oh, look at this. Regarde ça, on est dans les bouchons. Oh shit. C'est ma main 8. La vidéo elle va jamais sortir. Ouais, il y a trop de trucs sensibles dans cette vidéo. Oh, look at this tree. Oh, regarde cet arbre. Oh, look at this chauffard. Regardez-moi ce chauffard. Il prend tous les risques. Nous allons le dénoncer à la chauffeur. Il utiliserait des termes. T'as vu qu'on est genre. Nous allons le dénoncer à la RIJT. Je rêve où ils ont mis le truc métallique pour soutenir. Ouais, en fait, c'est un soutien gorge d'arbre. Non, mais ta gueule, ça. Vous avez vu comment il prend mal avec sa bouche? T'entendais des conneries? Toujours. Salut! Sortir bien après, là j'ai posé la démission cette semaine. Et donc c'est est... bon. Hein. Ah bah c'est bon alors. C'est bon, tout le monde est prévenu, maintenant je peux parler de la démission assez librement. Donc voilà, Thomas il va, il va partir vers de nouveaux cieux. Ouais, alléluia. Il va partir à, dans, comment on s'appelle déjà, Montpellier. Donc il va filmer son nouveau train de vie. Ouais, de Jet Setter du sud. Du chauffard. Tu sais qu'à côté de Montpellier, il y a le Gros du Roi. Ah ouais. Il y a le Gros du Roi, il y a quoi? Il y a quoi là-bas, je connais pas. Ouais. Hey. Bah, il y a Enquête d'Action. Ah, ah oui, c'est vrai. Les gendarmes du Sud. Ouais, des pelotons. Pelotons du Sud. Du peloton, attends, ils appellent comment ça déjà? Peloton motorisé de... du Sud, non? Bah, j'en sais rien, mais voilà. Le peloton motorisé du Sud, cette brigade. Tu vois, tous les étés je vais avoir une équipe de W9, M6, machin. W9. Ouais, qui vont. W9. Ouais. Chaque été je vais avoir une équipe de tournage. Je fais, oh là là, ça y est, bon, quand nous faire leur enquête d'action là sur les gendarmes du Sud. Mais ils vont dire, alors la moitié du reportage ce sera, ils prennent tous les risques. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils prennent tous les risques. Ouais. Routé au sauvage. C'est fou du volant. Fou du volant. Nous sommes à Montpellier. Dans le Sud. Nous avons suivi la brigade mobile. Là, ils vont faire une police des transports à Montpellier. C'est vrai? Bah, spécialement pour les. Ok, pour nous. Un nouveau reportage. On le prépare avant Enquête d'Action. Ouais, c'est ça. Une nouvelle brigade. Attends, il l'appellera comment? La police des transports, je crois. Ou métropole, je crois. Spécial... La PDT, la police des transports. Ah, la PD. C'est cette brigade. Il y avait un silence. C'est cette brigade. Eh, regarde. Tu vois, j'ai envie de rappeler le gars du PCB, c'était regarde. Je suis à moins 0. Ouais, j'y appelle. C'est le gros culot du gars. Ouais, vous avez vu, hein. Je suis là maintenant. Ah, maintenant, vous fermez votre bouche, hein. Clac. C'est fait pour, hein. 43, voiture, vous m'entendez? Voiture 0, vous m'entendez? Voiture 0. Voiture XX. Ici voiture 6, j'écoute.
Ouais, ici Louis sur 6. Bon, bah, comme tu peux voir, je suis arrivé à l'heure. Donc, on... C'est fait court. À l'arrêt là-bas, j'étais à l'heure. Et au fait, de là à Velten, généralement, ils donnent énormément de temps dû aux bouchons. Les bouchons, un nouveau fléau. Voilà, donc tu prends de l'avance, mais au fait, ça se voit pas au niveau clientèle parce que quand tu arrives à Velten, t'es à l'heure. Mmh. Regarde. C'est juste que là, maintenant, je vais être à l'heure. À la limite, plus 1, plus 2 jusqu'à là-bas. Plus 3, je te dirais. Plus 3, mais après, ça peut se rattraper sur, sur le journée escarré. Là, c'est les temps qui sont un peu faits comme ça. Bah, le gars, il a qu'à aller sur Vexin Mystère. Reviens en arrière. Reviens en fucking arrière. Oh. Je suis professionnel. Hein. Il est brusque, ouais. C'est un freinage brusque. Il est brusque. Caravane. Automobile. Une caravane là-bas. Là. On dirait un appartement, genre. Il y a une maison. Oula, ils prennent tous les risques. Les cyclistes des temps modernes. Les temps modernes. C'est exactement ça. Des temps urbains. Des temps urbains. À bord de notre urbanouet, Thomas ne mène pas large. Avec son gros mic. Il signale les routes de la ville. Pour lui, c'est la 43 avec un trajet un peu spécial de Saint-Romain Centre. Bonjour. 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 Et du coup, tu vas quand même revenir à Lyon nous faire coucou quand même par moment. Ouais, de temps en temps, ouais. Quand même, ça veut dire que tu pourras filmer d'autres vidéos avec l'aide de tes collègues. J'aime la chétrelle. Avec F. Il y a deux F en fait. Alors F-A. F-A-T-H. Non, F-A-T-A-H. Ouais, voilà. Voilà. Ça veut dire quoi en tout entier? Ah, je laisse. Le suspense. De toute façon, on l'a dit depuis tout à l'heure. Hein. Ah ouais? Ouais, avec un certain F-L. J-B-F-L. On va tous leur donner des surnoms, des lettres. L, c'est qui L sur cette canure? Elle ressemble à CC. Hein. Ah, il y a deux L parce qu'il y a la cutrice aussi. La cutrice. Ouais, mais la cotrice, on aurait dit la cotrice. Hein. De toute façon, les gens ils le verront tout de suite. Hein. Ils seront chez qui? Les moustiques. Il y a aussi les moustiques. Hein. Ah, ça c'est. C'est un double sens, hein, les moustiqueuses. On est d'accord, tu serais pas chanteur. Non, avec l'auto-tune, hein. Tu sais même pas parler de ça. Ah, avec l'auto-tune, ouais, ça peut. Regarde, le mec qui arrive. Horrible. Bonjour.